Les traitements de la leucémie myéloïde aiguë, LMA, ont considérablement progressé ces dernières années. Cependant, les options de traitement de la LMA ainsi que les résultats des patients doivent encore être améliorés. Par conséquent, en plus des médicaments actuellement disponibles, de nouveaux médicaments sont testés dans le cadre d'essais cliniques contrôlés. Les essais cliniques sont rigoureusement conçus et contrôlés pour maintenir des normes éthiques élevées et protéger la sécurité du patient. L'objectif des essais cliniques est de tester l'innocuité et l'efficacité des nouveaux médicaments ou traitements, d'améliorer les traitements et les soins existants. Vous avez peut-être entendu parler d'essais cliniques de phase 1, phase 2, phase 3 ou phase 4. Les premières phases étudient l'innocuité et le dosage du nouveau médicament ainsi que ses éventuels effets secondaires. Les phases suivantes étudient leur efficacité chez différents patients atteints de différents types de LMA. Il est possible que certains traitements parmi les plus récents pour des types spécifiques de LMA ne soient pas disponibles en dehors des essais cliniques. Par conséquent, votre médecin peut vous suggérer de participer à un essai clinique qui étudie un nouveau traitement. Participer à un essai clinique présente les avantages suivants. Vous pourriez être l'une des premières personnes à recevoir un nouveau traitement. Les médicaments que vous recevrez peuvent être spécifiquement adaptés à votre type de LMA. Vous contribuez à l'aide d'autres patients atteints de cancer à l'avenir. Si vous envisagez de participer à un essai clinique, vous devez garder à l'esprit que le nouveau médicament évalué peut être plus efficace, moins efficace ou similaire au traitement standard actuel. De plus, le nouveau médicament peut provoquer des effets secondaires. Il est important de rappeler que les améliorations que nous avons constatées pour les patients atteints de LMA au cours des 10 dernières années sont principalement dues aux résultats d'essais cliniques rigoureusement développés. N'hésitez pas à consulter votre médecin si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les essais cliniques ou si vous envisagez de participer à un essai dans le cadre de votre programme de traitement. Une liste des essais cliniques est disponible sur www.clinicaltrials.gov. Notre mission est de faciliter et d'améliorer la connaissance de la LMA à travers le monde. Maintenant que vous connaissez le rôle des essais cliniques, pourquoi ne pas prendre le temps de vous informer sur la rémission de la LMA ? www.no-aml.com. Hashtag NoAML.